Et bien salut à tous les petits potes, c'est ZNP, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais très 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 bien. Écoutez, aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour l'épisode 22 de Pokémon... non 23 23 même Pokémon, épisode 23 de Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune. Le let's play avec moi-même, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui notre but c'est de rentrer dans ce fucking manoir. D'accord? Donc ici. Allons-y. Je sais que j'ai raté la pierre glace, mais c'est pas très grave. Alors là, il faut se souvenir d'un truc. Je crois que c'est ça commence par ici. Hein. Hey, mais j'hallucine, c'est mon débardeur Skull que tu portes là. Ah, je me disais qu'il y a une odeur chelou, c'est pas ma faute s'ils ont tous le même motif. Vas-y, dis que chouette, tant que tu y es, tu ressembles à un sac avec, rends-le-moi. Ah. Et toi, d'où tu... Très bien. Correction, c'est parti. Petit combat, là, dès la première minute d'engagement du jeu. Allez. Ratata! Je suis à Ratata, il va se faire exploser. On va faire cruel du coup. Désolé, je suis en train de lire un message, vient de pop sur mon écran et je suis en mode qu'est-ce que quoi. Du coup, voilà. Alors, je lirai après la totalité. Quoi, toi aussi, eh ben. Team Skull, attends, on va mettre Mastic devant, hein, je pense. Comme ça, il va prendre du niveau et tout en plus. Tout bénéf. Eh oui. Qu'est-ce que t'invoques? Ratata. Oui, oui. Ouais, une mastic. C'est sûr. Même plus chercher à comprendre avec Plécroix et. Plécroix, c'est tout. C'est largement suffisant en fait. Cruel. Machouille. Ma défense baisse, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de deuxième tour de toute façon. Enfin, de troisième tour. Deuxième pour toi. Tu meurs avant. Voilà. Eh ouais, mon poteau. Et nous avons battu le sbire hors de la Témoscule. Alors, Pokémon. Ouais, on va faire vraiment ça parce que. Ça sera plus facile. On fait des attaques insectes, on fait des attaques sol et emballer c'est pesé. Ouais c'est ça, c'est le truc des indices, regardez. Dabura. Yo, t'en veux dans ma chambre pépère, tu serais pas un gros sans gêne des fois? Regarde l'état de ta chambre mec, après on en parlera après hein, parce que là, ça pique. Les yeux, le nez, tout ce que tu veux. Spectrum. Sauf quand je décide de mettre un Pokémon, il faut qu'il m'en mette un autre. Parce que lui, il a lévitation, donc des attaques sol, ça fait... Ça sert à rien. Voilà. Narcotte, à toi de jouer, s'il te plaît. Narcotte qui a largement de quoi gagner. Oui, ça me gratte. Je me gratte. Voilà. Donc oui, Narcotte, vas-y, quoi. Allez, dis-moi que t'es first par contre, comme ça tu fais feinte. En folie. Attaque s'il te plaît, Narcotte. Narcotte s'il te plaît. Oh, con de toi. Attaque, Narcotte. Repose en paix, Narcotte. Je croyais en toi pourtant. Attendez, Lugarok, là. Zéro, à toi de jouer. Regarde-moi ce beau gosse. Machouille.
Et boum! Du coup, il va falloir que je reste. Que je reste narcotte. Tas de morve. Ouais, et là, par contre, Mastic, c'est bon, il peut y aller. Parce qu'il est type poison. Yébé. Tunnel. Tunnel. One shot, one shot. Oh, ça méritait le one shot pourtant. C'est con, hein, ça méritait vraiment le one shot. Tu fais ma chouille, toi. Toi, tu fais ma chouille. Et t'as deux dents. T'as deux dents. Tu me fais ma chouille. Tu fais ma chouille. Avec deux dents. Ah, mais en fait, je l'ai la vive griffe. Parce que la dernière fois, j'ai pas eu de chance. Fer. On a du fer. Croquine. Oh, oh, oh. Ah oui, c'est quoi déjà? Croquine. Non, ici, il n'y en a pas. Je me rappelle plus. Il y en a un dans la cuisine. C'est sûr et certain, il y en a un ici. Je crois qu'elle est là, la cuisine. Non, mais il y en a quand même un ici. Wow. Je crois qu'il y en a un par là. Attends, Mastic. Je crois qu'elle a un Ratata. Vas-y, éclate-toi contre Ratata, Mastic. Ratata, ratatac. Ratata, ratatac. Miam, miam. C'est pas grave, hein, tunnel. S'en fout, hein. On a tunnel. Montre-leur ta puissance. Oui, la vive griffe sur un tunnel. Parfait, ça nous permet d'éviter son attaque s'il est plus rapide que nous. On va voir ça au tour prochain tour. Ouais, il est first. Quoi? Mais on est sous terre. Non, c'est pas cool ça. C'est vraiment pas terrible, terrible. Bomberk. Bomberk fait ça, très bien. Je ne savais pas. Mastic. Mastic. Non, Mastic. Tu as été le meilleur, Mastic. Mastic, que se passe-t-il? Vados, à toi de jouer. Pourquoi j'envoie Ota? Et je dis Vados, je sais pas. Mais à toi de jouer quand même. Voilà. Malos. Non, je ne change pas. Tiens, je vais tous les soigner. On s'en fout. Rebraquois. Je trouve que les attaques hausses ressemblent quand même pas mal, hein. Toutes. Alors, c'était Croquine. Si elle est là, la cuisine, non? Ah non. Si, si, mais si, si, si. Je me dis qu'il y a un truc par là. Voilà, c'est ça. Chocolat Skitchy. Voilà, c'est ça. Croquine, je me rappelle plus déjà. Chocolat Skitchy, voilà. Croquine, chocolat Skitchy. Et mes couilles au bord de l'eau, ça fait un radeau. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner nos Pokémon. Parce qu'il y a un combat qui va arriver. Voilà. Ensuite, on va donner une super potion à Mastic. On va donner ça à Narcotte.
On va foutre Narcotte in first. Question de principe. Sur Narcotte, elle est toujours niveau 41. Voilà. Ah lui, j'avais oublié. Toxique. Croquine. Chocolat Skitchy. Hein? Elle fait dire oui, d'accord. Direct toxique. Croquine. Oh, je vais te frapper, toi. Il me disait, je l'ai le mot de passe. Et voilà. On en a 27, déjà 27, ah oui, quand même. Trop tard, je voulais pas rentrer, mais bon, c'est pas grave. On y est. Et écoutez, les potes. C'est parti. On va affronter Guzma is back in place. Place au poste que tout le monde déteste, celui qui adore éclater des têtes. Bling bling et sap de Marx, Guzma qui débarque. Tiens, tiens, regardez qui est là, en voilà une bonne surprise. Tu dois vraiment aimer la douleur pour venir te jeter dans la gueule du Guzma. Oh, vraiment, mon glouton. Mon glouton! Ah, c'est vrai qu'on avait un marché. Le. Donc, tu es venu tout seul comme un gentil petit poncho. Pff, tes Pokémon te suffisent plus, tu te sens obligé de toucher aux notes, c'est ça? Peu importe, tant que je peux me servir de toi comme un sac de frappe. La musique, écoute la musique. Tu sais ce que je fais à ma sono quand elle tombe en panne? Je la tatane jusqu'à ce qu'elle remarche, c'est ça la réparation, la Guzma. Sauf qu'au final, elle finit en miettes. C'est la métaphore de ce que je vais te faire, tu piges? Guzma, welcome back to the hell because I will beat you. Et voilà. Samurai, à toi de te battre. Regarde-moi ce truc là. Samurai. Si mon corps poste OS, t'es dans la merde. Il te OSera pas. On va faire cruel. Quoi? Là on a un problème. Mayday. Mayday. Je perds le contrôle. Est-ce qu'avant j'ai ultra pété? Parce que c'est Narcotte quand même qui doit vaincre. C'est quoi ces lourds dégâts là qui me causent là son samouraï? Là, je comprends pas, la Samurai qui met autant de dégâts, c'est incroyable. Allez, aéropiqué, c'est parti. J'étais pas, je voulais pas trop le faire, mais bref. Parce qu'il va faire retraite en fait, je pense pas le one shot. Hein, avec une Z vol, même avec une Z vol, je pense pas le one shot, on a le même niveau. Je sais pas trop ce que ça a donné. Hein. J'espère pouvoir le battre. Mais son escarmouche m'avait fait terriblement mal tout à l'heure. Mais non. Repli tactique, voilà. Il se range. Mascadra. Mascadra sera plus rapide que moi, je pense. Pour que je lui cale un truc vol, en fait. C'est ça, le truc. Si je fais aéropiquer... Attends, il attaque à... Ouais, il a... Bourdon. Ça va? Ça devrait passer.
Putain, incroyable. 0, à toi de jouer. Cinquante. 65. Ok, éboulement. Parfait. It's first. En fait, je vais juste avoir les bons Pokémon, c'est tout. Tu renvoies qui? Sarmurai. J'ai pas de Pokémon qui a une attaque prio. On va regarder. On va le garder. J'ai peut-être moyen de le battre. Le problème, c'est qu'il a Coquillame. Éboulement à nouveau. Je sais pas si je suis plus rapide que lui. Oui! Parfait, je mise pas mon attaque, parfait. Et Ota qui monte niveau 43. Scarabrut. Vados, à toi de jouer. Brismoule. Pied sauté. Oh, je la connais pas cette attaque. Ouais, c'est une attaque combat. Retour. Il fait de lourds dégâts, hein, ce Scarabrut, par contre, c'est incroyable. Zéro à toi de jouer. Ota, à toi de jouer. Zéro à toi de jouer. Il se prend un Yamra machin chose, là, je sais pas quoi, là. Il se défonce, c'est peu cher. Ah, il y a de l'écume. Plécroix. Non, elles se sont pas toutes, en fait. Et boum, bitch. Et Zéro monte au niveau 43, yes. Peu cher Narcotte et Mastic, quoi, ils se font éclater en ce moment. Mes pauvres amours. Ah, Kazma, qu'est-ce que tu fais? T'assures pas là! Toi là, vas-y, rends-lui le Pokémon! J'ai vraiment les cheveux qui partent en vrac. Clop! Toi, un jour ou l'autre, je te ferai ta fête, même si pour ça, il me faut de l'aide. Eh ben écoutez, parfait. Il n'y a plus personne, au moins. Vous voulez récupérer ça? Corde sortie. Profitez qu'il n'y ait plus personne dans le squat pour... Ils sont tous barrés, sauf lui, Pusher, parce qu'il garde la porte. De sortie. Ah, lui aussi, bon, en fait, non, ils sont pas tous partis. Tonton Dan! Hey, c'est tonton! Tu peux me dire d'où il sort celui-là? Ma! Pour venir scoler un vieux grincheux comme moi, il devait vraiment avoir la trouille. Quelle galère. Laisse-moi deviner. Tu fais le tour des îles, c'est ça? Fais voir tes Pokémon, je vais les soigner. Merci. En fait, la Team Skull, ils se sont barrés un peu, là. En parlant de la Team Skull, je trouve qu'on n'en croise pas beaucoup depuis tout à l'heure. Ils ont dû détaler quand ils ont vu leur boss se prendre une rouste. Tonton Dan! Ouh, j'ai déjà des oreilles qui sifflent. Loup! Mon pauvre chou, tu as dû avoir si peur. Pardonne-moi de t'avoir laissé. Pardon, pardon. Danpil, je te remercierai jamais assez pour ton aide. Et toi, tonton Dan, en tant que policier, c'est ton devoir d'empêcher la Team Skull de nuire. Qu'est-ce que tu faisais ici si tu ne comptais pas les arrêter? Je regardais les maisons, les loyers, les sombres marchés dans le coin. C'est pas croyable. Enfin, il faut supporter la team. Tu veux soigner toi-même les Pokémon que la Team Skull avait blessés, c'est ça? Alors, tu pourrais vraiment, tu es incorrigible. Allez, viens, Glouglou. Rentrons au foyer éther. Tonton Dan, on en rediscutera plus tard. Moi, je veux juste qu'on me fiche la paix, hein. Normal. Retourne au foyer éther quand tu auras fini, hein. Allô là, toi.
Entre les Pokémon enfermés dans leur Pokéball et ces variants de la Team Skull enfermés dans leur Plank, je me demande qui sont les plus heureux. Ok, très bien. Bah écoutez les petits potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, nous, on va se quitter là-dessus, d'accord? On se dit ciao, bye bye, à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Peace!